Salut les Cynthia, et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud pour cette semaine de Jamir. Comme d'habitude, un tout petit tour, puisqu'elle est petite, de l'actualité de Saint Seiya Awakening. Let's go! La bannière qui va arriver après la maintenance, eh bien c'est une bannière EXSS, tout simplement. Vous allez pouvoir choisir le taux de drop que vous souhaitez augmenter pour un des personnages de la bannière. Il y a plein de personnages très très cool. On a un petit peu de temps normalement avant le prochain personnage, un peu plus de 15 jours. Donc éventuellement, si vous avez des stocks, pourquoi pas aller chercher un personnage EX ou SS que vous n'avez pas, ou alors quelques shards pour le compléter. Un book de l'omnipotence, encore une fois, un retour des skins exclusifs. Alors je ne sais pas exactement pourquoi maintenant, mais a priori on va avoir la possibilité de réobtenir des skins exclusifs. Et le PVP Melee qui commencera le 19 novembre et le 23 novembre, ce sera le PVP Melee Sibérie. Un privilège group pour Chase, comme d'habitude, on s'en fout un petit peu. Et un nouveau Sanctuary Record, il n'y a pas de FAQ en plus, il n'y a rien de très particulier. Enfin voilà, une petite maintenance, j'ai envie de dire, très classique. Du côté de la chinoise, eh bien c'est un nouveau cosmos légendaire qui fait son apparition pour les tanks. Il a en attribut principal des points de vie et les dégâts sont réduits de 5%. Cette valeur augmente de 10% à chaque fin de tour jusqu'à un maximum de 35%. Ce qui veut dire qu'à la fin de la manche 3, le personnage équipé a quand même 35% de réduction des dégâts subis. Ça peut être assez intéressant, on va voir. Mais en tout cas, je pense que c'est un cosmos qui va être utilisé pour donner encore plus de tankiness à des persos qui en ont déjà. Des indices sont arrivés sur la version chinoise. Alors c'est parti un petit peu dans tous les sens au niveau de la spéculation sur quel personnage ce serait. Et bien voilà, c'est tombé. Le prochain personnage qui va sortir, et bien ce sera Aiolos Godclaws. On a cette petite illustration ici, comme d'habitude. Merci Cyril. C'est cool, c'est cool. Moi, je suis toujours assez hype par les Gold God Claws. Aiolia, en plus, Aiolos, pardon, je dis n'importe quoi, c'est pas mal du tout. Donc voilà, Aiolos God Claws qui va arriver très prochainement sur les serveurs tests, etc., etc. Les pièces du RC du Lys ont aussi été ajoutées dans le shop sur la version chinoise. Ça va, ça devrait, ça va, on espère, arriver sur la version globale le plus vite possible. Et je pourrais blablater des heures, vous mettre des photos de chatons mignons, mais non, c'est déjà la fin de cette Cosmo News, rien de plus à se mettre sous la dent cette semaine, si ce n'est bien sûr le Jamir tous les soirs à 20h. On rappelle, on commence le live autour de 19h45, on est passé à l'heure d'hiver, donc c'est une heure avant. J'espère que vous serez nombreux ce soir, on se retrouve tout bientôt d'ici un petit peu moins d'une heure pour ce live. D'ici là, eh bien, bon appétit ou très bonne matinée à tous pour ceux qui regarderaient cette vidéo mercredi matin. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao!